Il y a un dauphin qui vient de me charger. Il y a un dauphin. T'es où, mon minin? Il y a eu un gros bruit derrière, j'ai vu son caudal. Mina, hein, mais. Il est là, il est là. Mina, mimi. Oh purée, alors ça, les gars, ça vaut tous les bars du monde. Mina. Mimi, mimi. Oui, t'es trop beau, toi, oui. Alors ça, c'est pour vous, les gars. Mina. Ouais, ça m'étonne pas que je prends rien. Je m'en fous. C'est trop chouette. Ouah, le mimi. J'espère que c'est pas de l'agressivité qu'il a envers moi, parce que moi, je suis un amoureux du mimi. Surtout qu'il a foutu un mec à l'eau l'autre jour sans le faire exprès. Enfin, faut voir les mecs avec les moteurs et les bateaux, les hélices. Moi, je fais pas de bruit, je pollue pas, tu sais, mon mémé. T'es où? Bah, une bête comme ça, elle me renverse comme elle veut. Hein. Bon, je suis pas loin du bord. Je suis équipé, j'ai mon gilet, mais bon. T'es où, Mina? Machine avant toute. Il est là, il est là. Mina. Mimi. Bah, viens plus près, que je te flatte. J'ai des fraises tagada, si tu veux, des minas. Oh bien que j'ai pris un mimi. Ah, décroché. Merde. Bon, pas toujours au lord de surface. Hein. Le petit minin. Un tout petit minin. Allez, va te reproduire. Bon, on continue. Il n'y a plus le dauphin. C'est déjà ça. Voilà, impeccable. C'est quand même mieux sans dauphin. Hein. Je l'ai pas pris au bord de surface, je l'ai pris. Ah bah décroché le minin, décroché. Une petite astuce. Alors, il y en a qui la connaissent, hein, mais il y en a qui la connaissent pas. Et je vais vous en parler. Que vous soyez pêcheur en kayak ou pêcheur en bateau, vous avez vu qu'on utilise beaucoup de bouts de cordage. Et je vais vous montrer que ma façon de faire pour avoir un bout, parce que vous avez remarqué, hein, on prend un couteau, on essaye de le couper, puis après ça s'effiloche, il faut brûler au briquet, c'est pas très propre. Alors je vais vous montrer ma façon de faire. Il vous faut un vieux couteau, votre bout, une lampe à souder ou à chauffer, ou votre gazinière, ça ira très bien. En
réchauffer la lame, c'est pas la peine de la faire rougir. Hein. L'endroit le plus chaud de la torche, c'est pas ici, hein. Elle est là. Donc, je vais chauffer ma lame. Vous allez voir, la coupe elle va être droite, ça va pas s'effilocher, ça sera plus propre qu'au couteau et au briquet de toute façon. Action. Alors, je prends mon bout, je le pose sur la table, et regardez, il suffit simplement de prendre contact. Au fond, je tire. Vous voyez, ça ne va pas s'effilocher du tout. C'est fondu. Ça s'est coupé très rapidement. Voilà la combine. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et puis de me faire vos commentaires. Au revoir les gars, à bientôt.